Bonjour à tous, on va commencer Bonjour. le nouveau webinaire. Bonjour Georges, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Voilà, donc on attend encore quelques secondes avant de vraiment débuter. Merci de vos bonjours nous indiquant d'où vous venez. Vos bonsoirs exactement. Bonsoir de Nice, bonsoir d'un peu partout. Du Béarn, où il fait très chaud, ben ici c'est moins chaud, hein, Mulhouse, Saint-Malo. Alors, dès qu'on va être tout à fait prêt, on va pouvoir accueillir Jacques Grégoire. J'attends encore une petite minute. Je vois défiler tous les bonsoirs. Ils sont toujours très très sympathiques. Nous aussi, on a des amis belges qui viennent malgré le drame qu'ils ont vécu hier. Salon de Provence, l'Alsace, les Pays de Maroilles, très bien, l'Évreux, Normandie, de partout. Donc, vous voyez la première diapositive qui est à l'écran, c'est pour vous annoncer un grand événement. C'est le prochain rendez-vous de l'APPEA avec la MAIF et le groupe Vive. C'est les 2 et 3, 4 novembre à Nanterre, à l'Université de Nanterre. C'est un événement intitulé Enfants demain, avec un sous-titre Identité, pouvoir d'agir, bien-être. Les inscriptions sont gratuites si vous venez en présentiel ou en distanciel. Vous avez ici l'adresse de l'APPEA. Venez sur notre site, vous pourrez vous inscrire très facilement et choisir un grand, grand événement avec un programme scientifique extrêmement sérieux, développé, des conférences, des tables rondes, qu'est-ce qu'un enfant, grandir, se construire, bien apprendre, le harcèlement scolaire, évidemment, numérique et les écrans, la précarité, la petite enfance et la société inclusive, la santé mentale, et évidemment le défi écologique des personnalités, des universitaires, l'ouverture avec Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, Sylviane Giampino, présidente du Haut Conseil de l'enfance, de la famille, de l'enfance et de la personne âgée, Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, vous voyez, programme tout à fait incroyable, Boris Cyrulnik, en grand témoin le soir, Philippe Rochat, qui viendra des États-Unis, Najat Vallaud-Belkacem, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, qui viendra nous parler. Je pense aussi de précarité, si je ne me trompe pas. Marie-Rose Moreau, vous connaissez. Joseph Chovanec, Jean-Pierre Rosenweg, qui est magistrat. Chantal Zaouche-Gaudron, psychologue qui intervient dans nos grands webinaires. Et beaucoup d'autres. Et donc, tout un événement qui est organisé par la MAIF, le groupe Vive, immense groupe mutualiste, et la PPEA, principalement pour le conseil scientifique. Voilà, Enfants demain, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez sur notre site ou tapez enfantsdemain.fr et vous aurez accès à toutes les informations. Katia, je te laisse la parole. Oui, bonsoir, merci. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Grégoire, professeur émérite à l'Université de Louvain, expert dans le développement et l'adaptation de tests psychologiques, mais aussi dans les théories de l'intelligence, les troubles des apprentissages, le haut potentiel intellectuel. Il a notamment participé aux adaptations françaises des échelles de Wechsler. Il est d'ailleurs conseiller scientifique auprès de Pearson, le CPA. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Évaluer l'intelligence qui paraît cette année, Introduction aux théories des tests en psychologie et en sciences de l'éducation, qui est mon livre de chevet en ce moment, qui est réédité cette année, sans oublier l'ouvrage sur le WISC-5 que tous les psychologues qui réalisent des évaluations intellectuelles ont dans leur bibliothèque. Il est aussi responsable d'une consultation psychologique spécialisée à l'Université de Louvain, qui défend notamment une approche plurielle du haut potentiel. Et donc, sa communication porte sur l'évaluation intellectuelle, quel test pour quel enfant et quel objectif.
qui fait écho notamment à la conférence de consensus qui date un peu, mais qui fait toujours foi, je dirais, dans la profession, dont il était d'ailleurs président de jury, qui fait écho aussi au code de déontologie, mais aussi aux guidelines de l'APA, et donc qui va nous expliquer un peu comment les psychologues choisissent leurs outils d'évaluation en fonction de la demande, des caractéristiques de l'enfant, des qualités psychométriques évidemment de l'outil et des modèles théoriques sous-jacents. Voilà, donc bienvenue à Monsieur Grégoire qui a 30 minutes de présentation. Alors, on n'oublie pas juste avant que le webinaire est enregistré, que vous pourrez avoir accès au replay dès demain sur notre site internet, que Robert et Vincent sont en back-office pour prendre en considération toutes vos questions, remarques. Ils interviendront en fin de présentation pour faire remonter la synthèse des questions et Jacques Grégoire pourra y répondre. D'autre part, nous ne pouvons pas faire d'attestation concernant votre participation au webinaire, mais vous pourrez faire des copies écran si vous le souhaitez. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous. Actuellement, 612 personnes connectées. Bon webinaire. Voilà, j'ai un petit passage de partage d'écran avec Jacques Grégoire. Parfait, donc voilà, je fais le partage. Ah. Attends, parce que là, j'ai un petit souci, parce que ce n'est plus ça qui est le bon. Un petit instant. Voilà. Oui, mais prends ton temps. Non, non, il n'y a pas de problème. On est bien dans les temps, tout se passe bien. C'est bizarre, parce que... Ah, voilà, c'est ça que j'ai. Je partage mon écran. Et parfait. Je le mets. Voilà, j'espère que tout est bien. Ici, tout est en ordre. Tout est en ordre. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier ici Robert Voyazopoulos et Georges Cognet de m'avoir invité à partager le contenu de cet ouvrage qui est tout chaud, puisqu'en fait j'ai reçu, voilà ici la couverture, je l'ai reçu hier. C'est un ouvrage qui a aussi la caractéristique d'inaugurer une nouvelle collection qui est publiée chez Le Goût, en compagnie d'un autre ouvrage ici de Maëva Roulin et Sébastien Rare qui est consacré au TDAH. C'est important aussi de savoir, c'est vraiment une collection qui va se développer puisqu'il y a déjà actuellement plus de 7 ouvrages qui sont programmés pour les années 24 et 25. Donc voilà, mais maintenant je vais me concentrer sur celui-ci, que j'ai voulu vraiment comme un ouvrage qui allie à la fois théorie et pratique, comme ici Katia l'a rappelé il y a un instant. Alors maintenant, je suis émérite, mais ça veut dire que je peux aussi faire essentiellement ce que j'aime le plus, c'est-à-dire j'écris et je fais de la clinique. Donc, j'ai essayé aussi qu'il y ait des illustrations et que ce soit le plus proche possible de la situation que rencontrent les praticiens aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai passé en revue, au fond, tous les principaux tests disponibles aujourd'hui en français possédant les qualités requises en termes de validité, de fidélité, donc qui sont disponibles. Vous en voyez ici la liste sur l'écran. C'est important de souligner ici, on peut regarder dans les tranches d'âge, que le gros de ces ouvrages, de ces tests, sont concentrés sur les enfants et les jeunes adolescents. On n'a pas beaucoup, au fond, de tests qui s'adressent aux adultes, ni même d'ailleurs aux jeunes adultes. Donc là, il y a vraiment là une... On pourrait se poser des questions. Et alors, le gros de la troupe aussi, c'est quand même les tests qui sont dans la famille Wechsler, si on peut dire, c'est les 4 premiers ici, mais vous en avez une série d'autres, le KBC, la dernière version de l'anémie que Georges Cognet a développée, le SON-R et le RAVENS 2. Alors, on va regarder un petit peu. Comme le titre l'indique ici, c'est quels tests pour quels objectifs, et c'est la première chose qu'on doit se poser, c'est évidemment pourquoi évaluer l'intelligence. Ça peut sembler évident, pour moi ça ne l'est pas. Il ne faut pas simplement utiliser des tests d'intelligence parce qu'ils sont là, mais parce qu'on a un objectif à atteindre. J'ai cité ici, je cite 4, pour moi, 4 grands objectifs qui peuvent justifier
l'usage de tests d'intelligence. On va voir qu'en fonction de ces objectifs, certains tests sont plus adaptés que d'autres. Le premier objectif, c'est d'abord, l'intelligence est un critère diagnostique. On peut penser d'abord au handicap mental, aux troubles spécifiques des apprentissages, et d'autres, on va voir dans toute une série de troubles. Donc il est important d'avoir cette information pour poser le diagnostic. Deuxième objectif, c'est de répondre à une demande administrative. Ce n'est peut-être pas l'objectif le plus attractif, mais dans toute une série de cas, on doit pouvoir fournir des mesures de l'intelligence, généralement sous la forme d'un QI, ce qui est évidemment peut-être discutable, mais voilà, il y a des cas où la reconnaissance d'un handicap, une orientation, la reconnaissance d'une perte d'autonomie, etc. Donc, dans toute une série de cas, c'est une exigence. Troisième raison d'évaluer l'intelligence, c'est un élément très important du tableau clinique. Tout simplement parce que dans le tableau clinique, avoir une information à propos de l'efficience cognitive actuelle d'un individu, ça fait partie des composantes à propos desquelles on doit être attentif pour essayer de comprendre cette personne. Mais ce n'est pas uniquement l'efficience actuelle, j'ai indiqué ici future, tout simplement parce qu'on peut penser, alors ça c'est toujours un peu un postulat, que ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il pourra le faire demain. Ce n'est pas certain, mais c'est en général ce qui est le plus probable. Donc ça veut dire qu'en termes de projection du sujet, on peut dire voilà, cette personne pourrait s'adapter à tel contexte, réaliser tel apprentissage, entrer dans tel contexte professionnel, etc. Et enfin, quatrième objectif de l'évaluation intellectuelle, c'est une source d'observation clinique importante. On voit, je l'ai mis ici en parenthèse, le sujet à l'œuvre. On peut regretter, alors ceux qui sont plus âgés parmi les participants aujourd'hui se rappellent que dans les versions antérieures des tests, il y avait beaucoup plus de matériel où on voyait les gens faire. Ça a beaucoup diminué pour différentes raisons. Je ne vais pas entrer ici, compte tenu du temps, sur les raisons qui ont poussé à cette évolution. Mais c'est quand même important. Tout qui fait de la clinique, c'est que voir le sujet non seulement manipuler, mais aussi comment s'y prend-il pour répondre, comment fait-il face aux échecs, quelle est son attitude générale par rapport à l'anxiété, au stress, à la réussite. Parfois, on voit des sujets qui sont aussi qui perdent leurs moyens, mais d'autres parfois qui sont aussi un peu euphoriques parfois par rapport. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont très importantes et très utiles dans le cadre d'un examen clinique. Et donc, en fonction de ces enjeux, on va voir que les tests ne sont pas nécessairement interchangeables. Plus évidemment, les exigences, par exemple, c'est le cadre d'exigences administratives, on va voir que les exigences en termes de validité, de fidélité, de sensibilité vont être plus élevées que dans d'autres cas où on peut avoir beaucoup d'autres occasions d'observer le sujet et on va pouvoir beaucoup plus croiser. Donc, on va voir que on peut avoir des tests qui ont moins de preuves, par exemple, de fidélité ou de sensibilité dans certains cas, alors que dans d'autres cas, ce sera vraiment crucial. Alors, tout ça nous renvoie évidemment à la question du cadre théorique, parce que de quoi parle-t-on quand on parle de tests d'intelligence ? Ici, et dans l'ouvrage, c'est vraiment le cadre que j'ai choisi, auquel je me réfère en tout cas, essentiellement deux cadres théoriques mais qui se complètent l'un l'autre. La notion d'intelligence globale, qui trouve son origine dans les travaux de Binet, qui ont été repris par Wechsler, et le modèle CHC, qui provient des travaux d'une part de Cattell et Horn et de Carroll. Si on revient très brièvement sur l'intelligence globale, c'est quand même l'idée que l'intelligence, ce n'est pas une aptitude à part, qui serait à côté d'autres aptitudes comme la mémoire ou l'attention. C'est l'organisation de l'ensemble des aptitudes, et c'est une organisation efficace qui nous permet de faire face aux problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Et en ce sens, l'intelligence est vraiment une qualité émergente qui provient vraiment de la qualité de cette organisation. Et cette mesure de l'intelligence, dès le moment où on la définit comme cela, on ne peut pas l'évaluer au travers d'une seule épreuve. Il n'y a pas une tâche qui serait la tâche miracle qui nous permettrait de nous faire une idée parfaite de l'intelligence, mais il faut le faire au travers d'un échantillonnage de tâches. On est dans la logique, au fond, d'un échantillonnage comme on le ferait pour, par exemple, connaître
l'opinion politique des Français, on ne va pas évidemment interroger uniquement Jean ou Jeanne Dupont du 5e arrondissement de Paris et se dire c'est la bonne personne qui va nous donner la position des Français au niveau politique. On sait très bien qu'il faut que nous ayons un échantillon représentatif de la population pour se faire une idée de ce que pensent en général les Français d'un point de vue politique. L'avantage, alors le complément, pourquoi le modèle CHC ? Parce qu'il va préciser la structure et les composants de l'intelligence globale. Ce que jusque dans les travaux de Binet, chez Wechsler, le choix des épreuves était quelque chose qui se faisait de manière un petit peu intuitive, sur la base d'observations cliniques, d'expériences. Et ça ne marchait pas trop mal, mais ça conduisait dans un certain nombre de cas à faire des choix qui pouvaient être biaisés. Ici, on a une structure de l'intelligence qui nous permet quand même de dire, voilà, comment réaliser l'échantillonnage des tâches. Ça, c'est la première fonction. Et donc, on va le voir, les tests vont plus ou moins bien représenter cet échantillon possible de tâches. Par ailleurs, et je vais revenir tout de suite ici dans le modèle qu'on voit dans ce modèle-là, de cette structure, vous voyez que dans ce modèle, au sommet du modèle, il y a un facteur général, le facteur G, qui est fondamental parce qu'il représente au fond les corrélations que nous observons entre toutes les tâches qui interviennent dans l'intelligence. Et s'il n'y avait pas ces corrélations, la mesure du QI serait totalement absurde. Je veux dire que vous pouvez, par exemple, quand je regarde un panier dans lequel il y a 2 bananes, 3 oranges et 4 pommes, calculer une somme parce que ce sont des fruits. Donc, tout ce qui est dans le panier partage quelque chose qui justifie le calcul. Je peux dire qu'il y a X fruits dans le panier. Par contre, si j'ai un raton laveur, 5 crayons et 10 fourchettes, oui, je peux faire une addition, c'est toujours possible de la faire. Mais elle ne représente rien, c'est absurde de faire cette addition. Donc, le facteur G, du fait des corrélations, je ne vais pas entrer dans le détail, tout à l'heure on pourra en parler si vous voulez un peu plus, mais il est un élément important. Tous les auteurs ne l'acceptent pas, mais c'est en tout cas la justification ultime du calcul du QI. J'ai ici dans le tableau, et si vous voulez regarder plus, puisque ici le webinaire sera accessible, vous pourrez regarder plus en détail. Je voudrais ici simplement, dans le tableau, donc vous voyez ce qu'on appelle les composantes de niveau 2. Donc vous avez dans le tableau, il y a au sujet les grandes composantes de l'intelligence, et puis en dessous, il y a au fond, c'est sous forme de grappe, il y a les sous-composantes de chacune de ces grandes composantes de niveau 2, ces sous-composantes se situant au niveau 1. Elles sont pas. Alors, un des problèmes de ce modèle, c'est qu'évidemment, on met sur le même pied des composantes qui n'ont pas la même importance nécessairement. Et ça reste aussi, il faut bien le rappeler, le modèle CHC, c'est un modèle structurel. Au fond, c'est un peu le squelette de l'intelligence, mais ce n'est pas un modèle fonctionnel. Il ne nous dit rien comment fonctionne l'intelligence. Donc ça, c'est, ni même se développe d'ailleurs. Mais il nous dit, en fait, voilà les grandes composantes, un peu, je dis, comme le squelette, voilà les grandes, dans la structure du corps humain, voilà les os importants. Maintenant, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et donc, hop là. Donc ça, et désolé, ça a bougé un peu. Voilà, je reviens à ma charrette. Ici, donc, on va voir l'intelligence fluide, cristallisée, le traitement visuel, traitement auditif. On va voir qu'il y en a qui sont très rarement présents dans les tests d'intelligence. Par exemple, le traitement auditif, qu'on va retrouver au fond dans ce que certains appellent l'intelligence musicale, l'aptitude à percevoir des structures, des séquences, des rythmes sonores. C'est ce qu'on va trouver, par exemple, chez le musicien qui analyse une partition ou le compositeur. Ça, ce n'est pas présent dans beaucoup de tests. Mais il y en a d'autres qui sont très présents. Je vais plutôt regarder. Alors ici, j'ai fait un tableau ici récapitulatif. Ça a été vraiment, pour moi, le cadre d'analyse de tous les tests que je présente. C'est vraiment se dire, voilà, quelles sont les grandes composantes qui sont mesurées par les différents tests. Ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire ici que certaines composantes ne sont pas mesurées. Vous voyez ici, tout à l'extrême droite, vous avez GQ, qui est en fait la composante numérique. Alors, on pourrait dire, oui, mais elle est quand même mesurée. Par exemple, si je prends le WISC 5, vous avez des aspects numériques qui apparaissent, d'une part, dans une mesure complémentaire, qui est arithmétique, mais même dans l'épreuve
Ici, de balance, ben, il y a une composante numérique. Ici, ce que j'ai mis, c'est essentiellement la composante dominante. Hein. Donc, voilà, il y a toujours, il n'y a aucune mesure pure hein, d'aucune de ces composantes. C'est toujours, évidemment, un peu mixte, mais voilà, c'est un peu la dominante qui est ici présentée. Alors, j'avance ici. Tiens, ça ne veut pas plus avancer. Pourquoi Tiens. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Hein, peut-être ici. Voilà. Ah, voilà. Ça vous. Alors, tous ces tests que je présente ici, dont on l'a vu, ne mesurent pas nécessairement, ne sont pas basés sur les mêmes composantes. Hein, on l'a vu ici, si je reviens ici un tout petit peu en marche arrière, ben, vous voyez que certains couvrent une assez large gamme des composantes de niveau 2. Il y en a d'autres, par exemple le Ravens 2, ben, il y a essentiellement, c'est une mesure de GF. Pas tout à fait, parce qu'il y a aussi les dimensions de GV, etc. Mais c'est quand même, donc il y a des composantes assez différentes selon les tests. Donc on va voir que, par conséquent, ce ne sont pas des mesures qui sont nécessairement interchangeables. Si vous prenez le test A ou le test B, vous ne devez pas nécessairement obtenir exactement le même QI pour la raison que je viens d'exposer. Maintenant, ce ne sera pas complètement différent. Il y aura vraisemblablement une assez bonne corrélation, mais ce ne sera pas une corrélation égale à 1, certainement pas. Donc, on va voir que, d'autre part, en fonction des composantes, les prédictions ne sont pas les mêmes. On sait, par exemple, que pour tout ce qui concerne les prédictions en termes d'apprentissage et même de réussite professionnelle, dans beaucoup de domaines, les mesures de GC, c'est-à-dire de l'intelligence cristallisée, sont les plus prédictives. Donc, dans certains tests, dès le moment où vous n'avez pas de GC mesuré, on va voir que les prédictions sont moins bonnes. Donc, on va voir que c'est différent. On va voir aussi que les tests vont varier en termes de fidélité, c'est-à-dire du degré de précision des mesures. Alors, en général, plus vous avez des preuves, plus vous êtes précis. Pour une raison très simple, tout qui a été élève le sait bien, quand vous ne connaissez pas bien votre matière, vous avez intérêt à ce qu'on vous pose le moins de questions possible, vous pouvez avoir un peu de chance, et si ça marche bien avec une question, vous allez bien réussir. Si je vous pose 10 questions, ça devient évidemment beaucoup moins probable que vous réussissiez à partir de 10 questions. Alors, donc, là, les tests vont varier en termes de fidélité et cette fidélité est importante parce qu'elle nous permet de calculer une erreur de mesure et un intervalle de confiance. Et j'ai pris ici deux exemples pour que vous voyez comme quoi des petites différences de fidélité ont d'importants impacts en termes d'intervalle de confiance. J'ai pris ici un premier exemple, un coefficient de 0,95, qui est un très bon coefficient. Si je prends l'intervalle de confiance de 90%, c'est-à-dire qu'il y a, lors d'une passation quelconque, imaginons que votre QI est 100, le vrai QI, sans erreur, ben il y avait 90% de chances qu'en réalité, le score observé se distribue autour de 100 dans un intervalle, dans ce cas-ci, qui sera de 100 moins 5,45 points et de 100 plus 5,43 de points. Donc, on voit que déjà, on va au fond bouger dans un intervalle de pratiquement 10 points. C'est déjà énorme. Si j'ai un coefficient qui est un tout petit peu plus bas, 89, eh bien, vous voyez déjà, waouh, l'intervalle de confiance devient très important. On est déjà à un intervalle qui est de part et d'autre du score vrai de quasiment 8 points. Donc, on voit, il ne faut pas prendre cette question de la fidélité à la légère. Parce qu'elle peut vraiment entraîner des différences de précision très importantes, ce qui peut aussi avoir comme impact en termes de retest. Parce qu'il faut se rendre compte qu'évidemment, quand vous faites un test et un retest, il y a deux fois des erreurs. Donc, évidemment, si vous avez un test dont la fidélité est assez faible, vous allez. Alors, j'ai pris ici, voilà, les tests que j'ai examinés. Vous voyez, il y en a qui montent jusqu'à 97, mais d'autres, par exemple, le Raven, descend à 0,88. Alors, vous avez dit, oui, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais faites bien attention, les conséquences en termes d'erreurs de mesure sont assez importantes, beaucoup plus importantes que beaucoup de praticiens le pensent en général. Autre propriété métrique dont je souhaite aussi parler ici, c'est la sensibilité. C'est une caractéristique qui est souvent oubliée, si on peut dire.
Elle est un peu oubliée parce qu'il faut se rendre compte, c'est quoi la sensibilité? Ben, c'est la capacité que le test a de différencier les individus. Et comment est-ce que vous différenciez les individus? Ben, évidemment, à partir d'un certain nombre de questions, les items. Alors, j'ai tracé ici un continuum, et vous voyez ici ben, ces items dispersés sur le niveau des aptitudes. Hein. Il y a des items très faciles qui sont réussis par des sujets qui ont une aptitude faible, et puis il y a des items beaucoup plus difficiles qui ne sont réussis que par les sujets qui ont une aptitude très élevée. Imaginons un test qui n'a qu'une question. Ben, évidemment, la différenciation va être très rudimentaire puisqu'il y aura ceux qui réussissent, ceux qui échouent. On se rend vite compte que si on veut différencier les individus, il faut nécessairement beaucoup d'items. Il n'y a pas de miracle. Parce que j'entends parfois des personnes qui me disent « Est-ce qu'il n'y a pas un test qui soit très précis, qui nous informe beaucoup, mais avec très peu d'items, donc qui prennent très peu de temps ?» Ah ben ça, c'est la quadrature du cercle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas résoudre ce problème-là parce que nécessairement, il va falloir avoir beaucoup d'items pour différencier les sujets. Pour autant, si on s'intéresse ici à des sujets qui se situent sur un continuum relativement long, puisqu'on peut aller depuis, si j'ai certains tests qui peuvent être utilisés pour identifier des personnes présentant un handicap intellectuel, jusqu'à des sujets qui présentent un haut potentiel. Donc, on va avoir... Alors, un des problèmes que l'on constate, c'est qu'un certain nombre des tests que j'ai examinés ont un peu manque d'items. Et souvent, le problème, il n'est pas tellement au centre de la distribution. Le constructeur de tests, en général, quand il construit son test, il veille à avoir beaucoup de tests, d'items, beaucoup de questions dans la zone centrale parce que c'est là qu'il y a le plus de sujets. Le problème, c'est quand on se retrouve dans les deux extrémités de la distribution. Là, il y a de moins en moins de sujets. C'est souvent compliqué de développer ces items très faciles ou très, très difficiles parce que lorsqu'on doit les tester, par exemple, on va faire ce qu'on appelle ici la mise à l'essai, ben, il faut trouver ces sujets très compétents ou très peu compétents. Donc, c'est assez difficile. Et assez souvent, ce que l'on va constater, c'est que dans les tests, il y a certains tests, en tout cas, soit manque d'items faciles, soit manque d'items difficiles. En soi, ce n'est pas nécessairement un problème. Si j'ai un test qui est avant tout destiné à des sujets qui présentent un handicap mental, ou en tout cas des sujets qui ont un déficit intellectuel, ce n'est pas bien grave de ne pas avoir des items difficiles. Parce que ça, je n'en ai pas besoin de ceux-là. Puisque la plupart des sujets que je vais tester en clinique, ben, ils n'atteindront jamais ce niveau-là. Donc ça... Mais voilà, si maintenant, avec ce test-là, vous dites, tiens, je veux évaluer des sujets et identifier des sujets qui présentent un haut potentiel, ben là, je vais me retrouver en difficulté. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des effets plafonds ou des effets planchers. C'est-à-dire qu'on va avoir des sujets qui vont avoir le même score alors qu'ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Tout simplement parce que, voilà, ils ont réussi tous les deux l'item le plus difficile, mais il y en a un des deux sujets qui est beaucoup plus compétent que l'autre, qui aurait pu encore réussir des items plus difficiles. Mais il se fait qu'on leur donne le même score. Donc, on a un problème d'effet plafond. Le même raisonnement, on va l'avoir aussi du côté des effets planchers. On va voir, donc, dans l'ouvrage, ça, j'ai systématiquement analysé ces questions d'effets planchers, d'effets plafonds. On peut regarder, hein, quand on regarde les normes, et dans la pratique, d'ailleurs, on s'en rend compte. Parfois, vous vous rendez compte qu'en faisant passer certains tests, il suffit, par exemple, de réussir un item ou d'échouer un item, et hop, on saute parfois de plusieurs crans au niveau des QI, par exemple. Parfois, ça se joue sur un item. Waouh ! Vous dites, là, ça se joue vraiment, parfois, pas, c'est le hasard qui va jouer. Donc là, on est quand même... Donc, quand on parle de fidélité, donc de précision, ça ne veut... Alors, bon, je ne vais pas entrer ici dans les théories les théories de la mesure, mais en réalité, bon, on traite la fidélité comme, et la précision comme si elle était la même sur tout le continuum, mais ça, ce n'est pas tout à fait correct. En réalité, il peut y avoir des problèmes plus aux extrémités. Autre problème que je veux souligner dans les propriétés métriques, ce sera la dernière, et puis j'aborderai une autre question pour clôturer, c'est la question des normes. Donc, rappelez-vous que la mesure de l'intelligence, comme d'ailleurs toutes les mesures en psychologie, c'est des mesures de comparaison, puisqu'on va toujours situer les performances du sujet par rapport à celles
de sa population de référence. On va le situer par rapport à la moyenne. À quelle distance est-il au-dessus ou en dessous de la moyenne. Donc, on va voir, et c'est pour ça que j'ai mentionné d'ailleurs dans le premier tableau que je vous ai montré, les dates d'étalonnage, puisqu'en fait, ici, je dirais, dans les tests, il n'y a aucun qui, on peut dire vraiment, l'étalonnage est complètement obsolète. Il faut faire attention parce que vous connaissez maintenant l'effet Flynn. Alors, l'effet Flynn, on a dit, voilà, c'est le fait que, on l'a présenté comme le fait que le niveau intellectuel, pendant une longue période, ont augmenté dans les pays développés. Maintenant, on discute, est-ce que ça arrive à un plafond, est-ce que ça diminue? Mais bon, je ne vais pas entrer ici dans la discussion du sens de l'effet Flynn. Mais ce que l'effet Flynn nous apprend avant toute chose, c'est que les normes ne sont pas impérissables. Elles ont une durée de validité limitée, tout simplement parce que les caractéristiques de la population bougent. La population française ou belge d'aujourd'hui n'est pas la population française de 1960. Et c'est valable pour l'intelligence, c'est valable pour tout. Donc, si vous êtes dans une logique de comparaison, vous devez comparer les sujets par rapport à la population d'aujourd'hui. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est la question de l'évaluation non verbale. Donc, alors, ça, j'ai accordé aussi toute une attention à cela. Parce qu'il y a toute une série de cas où on a besoin d'une évaluation totalement ou partiellement non verbale. Il y a le déficit d'audition, les troubles du langage oral et tous les problèmes d'acculturation, les enfants qui ne parlent pas bien ou pas du tout la langue française, qui ne possèdent pas non plus tous les codes de notre société. Donc voilà ici. Alors, certains tests offrent, disons, ce qu'on pourrait appeler des mesures non verbales. Si je prends le WISC 5, il y a un indice non verbal. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y a les consignes qui restent quand même des consignes verbales. D'autres, et on le voit, proposent des consignes. C'est par exemple le son R. Ben, c'est des consignes complètement non verbales. Donc, le langage ne va pas du tout intervenir, en tout cas, ni dans les consignes, ni dans les réponses. Ça n'empêche pas que le sujet, dans sa tête, il puisse éventuellement avoir un traitement verbal. Mais c'est... Alors, donc là, on voit donc qu'il y a quand même un certain nombre d'outils qui existent. On voit le Wechsler non-verbal, le SON-R, on voit dans le KBC, il y a des possibilités, le WIPSI-4. Maintenant, soyons très prudents, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur cette notion de mesure non-verbale d'intelligence. D'abord, une mesure non-verbale n'est pas nécessairement équivalente à une mesure verbale, puisque vous enlevez une composante de l'intelligence, qui est l'intelligence cristallisée. Or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une composante importante dans l'adaptation. Donc là, c'est quand même... vous n'avez pas tout à fait la même chose. Il y a un recouvrement partiel, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'autre part, il y a une confusion que j'entends très souvent entre... mesure non verbale et indépendance de la culture. En disant, si j'enlève le langage, ça devient culture free ou culture faire. Ce n'est pas vrai du tout. D'abord, on va voir qu'il y a beaucoup de tâches non verbales qui sont plus ou moins familières en fonction de votre culture. J'ai pris l'exemple des puzzles. Je vois parfois des enfants qui sont habitués à faire des puzzles, d'autres pas du tout. Il est clair que quand on vous demande d'analyser des figures et de recomposer le puzzle, il y a une tâche qui vous est plus ou moins familière. On va voir que, par exemple, les images, croire que les images, c'est culture free, c'est totalement faux. Je vous donne un exemple ici que j'ai encore vu cette semaine en consultation. Dans Mémoire des images, dans le WISC 5, il y a ici un sablier. Et alors, le garçon que je testais, il dit, je ne sais pas ce que c'est. Et alors, quand il devait mémoriser, il appelait ça le truc. Alors, il dit, chapeau, cube, le truc. Alors, on voit bien que, en fonction, si j'ai un mot qui pour moi représente quelque chose qui a du sens ou qui n'a pas de sens, je ne vais pas évidemment nécessairement le mémoriser de la même manière. Et on pourrait multiplier les exemples. Les compétences graphomotrices, qui sont évidemment liées à la scolarisation et qui vont intervenir, par exemple, dans l'épreuve de code. On va voir que certains sujets, si on va voir chez des adultes par exemple, qui peuvent avoir été très très peu scolarisés, l'épreuve de code va devenir un problème, alors qu'elle est non-verbale. Les connaissances de type non-verbal, comme la connaissance numérique.
hein, qu'on va retrouver dans, dans une épreuve qui apparemment est non-verbale, qui est balance, mais évidemment, c'est une épreuve qui fait appel à un raisonnement numérique. La géométrie, hein, plus ou moins, ben on va voir, il y a des tas d'épreuves dans lesquelles vous devez analyser des figures, faire des rotations de ces figures, qu'est-ce qu'elles deviennent si elles sont, si elles effectuent une rotation de 90 degrés ou de 180 degrés, etc. Donc on voit bien que toutes ces épreuves-là, même si elles sont non-verbales et donc elles résolvent un certain nombre de problèmes, ne vont pas résoudre tous les problèmes liés en particulier à l'acculturation. Donc quand on a affaire à des sujets qui proviennent d'autres cultures, donc qui n'ont pas les mêmes expériences que nous, on est dans un monde aussi où l'immigration et les mouvements de population sont de plus en plus importants, ben on se retrouve parfois avec des situations où ce n'est pas uniquement de dire « je vais enlever le langage et j'aurai résolu tous les problèmes », on va voir que c'est parfois beaucoup plus complexe. J'en arrive ici à ma conclusion, je crois que je suis dans les temps, je crois, en tout cas on ne m'a pas fait de signe inquiet comme quoi je devais m'en... Donc, en fait, tous les tests que j'ai examinés dans mon ouvrage et que je présente ici très très brièvement, ils possèdent, de mon point de vue, des qualités suffisantes pour un usage clinique, mais, je l'ai dit, ils ne sont pas interchangeables, ils n'ont pas tous exactement les mêmes propriétés. Donc, ils vont se distinguer en fonction de l'échantillon des tâches proposées, en référence au modèle CHC, de la fidélité des notes globales, du degré de sensibilité en particulier aux deux extrémités de la distribution, de la représentativité de la date de leurs normes. Certains sont très récents, d'autres sont beaucoup plus, commencent déjà tout doucement à dater, de la possibilité de réaliser une évaluation non-verbale. Tous ces éléments-là, et le praticien doit les avoir en tête. Il ne peut pas dire, tiens, je prends n'importe quoi, ou tiens, celui-là, ça fera bien l'affaire, parce qu'il est dans l'armoire de l'équipe, dans le centre où je me trouve. J'ai toujours le souvenir, quand j'étais jeune professeur, j'avais un étudiant qui venait ici en tutelle de stage, et qui me dit, tiens, qu'est-ce que vous utilisez comme test? Ils utilisaient la première échelle de Wechsler de 1939. Et pourquoi vous utilisez ça? C'est plus du tout. Ah ben c'est ce qu'il y a dans l'armoire. Alors je vous jure qu'on a dit ça. Alors, évidemment, il faut un peu plus réfléchir et se dire mais non, quels sont les enjeux? Quels sont parce que je disais tout à l'heure, ben, dans certains cas, c'est des enjeux importants. La reconnaissance des handicaps, ça peut avoir des conséquences évidemment cruciales si on le reconnaît ou le reconnaît pas. Donc on va voir que là. Dans certains cas, l'identification d'un potentiel, est-ce que l'outil que j'ai choisi, est-ce qu'il est capable de le faire? Donc tout ça, il faut bien connaître ça en tête et avoir une bonne connaissance des outils pour choisir celui qui est le plus approprié à nos objectifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis évidemment à votre disposition pour un échange. Merci beaucoup. Merci Jacques. Parfait. Hop là, je vais retirer alors, me retirer de l'écran. Oui, je vais prendre la main. Le partage, et je fais ici, qu'est-ce que je fais pour me retirer de mon... Donc, nous, beaucoup de questions ont été posées, Georges et Vincent vont... Voilà. Robert et Vincent, moi j'ai... Synthèse, oui. Bon, j'aurais peut-être... Hop là, Georges, je ne t'entends pas. Oui. Il y a des coupures, Georges, oui. On n'a pas entendu. Je pense que Georges présentait l'ouvrage « Évaluer l'intelligence » en rappel, hein, qui vient d'être publié. Voilà, c'est ça Georges, je ne sais pas si tu vas pouvoir reprendre. Si je peux reprendre là, la question de René Pris qui demandait s'il y avait des corrélations entre les QI, les indices du WISC par exemple et la Vineland. Est-ce qu'il y a eu des travaux de corrélation? Il y en a, alors je n'ai plus en tête, mais il y en a, donc je pense que peut-être que Robert d'ailleurs connaissait un peu plus que moi d'ailleurs. Oui, c'est très intéressant, mais il y en a par profil clinique. Oui. Et ça, c'est absolument intéressant de voir par exemple que l'enfant avec TDAH dans les groupes cliniques
n'était pas du tout marqué. D'abord, sur le plan cognitif, il peut avoir des faiblesses, mais ce n'est pas un problème d'intelligence globale. Et puis, sur le plan adaptatif, c'était tout à fait intéressant. Donc, on voit que la contribution au profil diagnostique est importante dans l'utilisation de ces deux épreuves. Hein. Avec la recommandation, je crois, Jacques va le compléter, avec la recommandation qu'aujourd'hui, l'approche strictement intellectuelle est fortement déconseillée. Hein. C'est le deuxième critère qu'est le fonctionnement adaptatif. Est absolument recommandé, notamment dans tout ce qui est troubles du neurodéveloppement. Tout à fait. Donc, je pense que tu soulignes un point vraiment important, c'est-à-dire que je n'ai pas évoqué, mais c'est fondamental. Je pense qu'on n'évolue pas l'intelligence comme ça de manière isolée, ça n'a pas de sens. Je l'ai évoqué à un moment donné en parlant du tableau clinique. C'est un élément du tableau clinique, donc qui est un élément tout à fait intéressant, mais non seulement en termes diagnostiques, on a besoin d'autres informations, mais aussi on a besoin de recouper les informations, de croiser les informations, de pouvoir, par exemple, nuancer aussi des performances intellectuelles en tenant compte d'autres facteurs, par exemple, de voir un TDAH, quel est son retentissement sur certaines performances, par exemple. Mmh. Ou par exemple, on peut avoir aussi des troubles dépressifs qui vont avoir un retentissement sur certaines performances qui vont nous amener, dans l'interprétation des scores, à nuancer évidemment ce que l'on observe. Donc, sur la corrélation WISC-5-Vineland, c'est surtout au niveau des groupes cliniques que c'est intéressant. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que des troubles du spectre de l'autisme, verbaux ou non-verbaux, vont complètement modifier la question de l'adaptation sociale, hein, le fonctionnement adaptatif. Donc ça, je trouve que c'est intéressant dans la Vineland de regarder. Il y a des études de corrélation qui sont vraiment très intéressantes. J'en profiterai pour commencer peut-être après ces Vincent. Il y a une question qui revient un petit peu en boucle hein, de la part de nos collègues qui suivent ce soir. C'est la question de la validité temporelle d'une échelle avec le fait que certaines administrations refusent, par exemple, des comptes rendus dans lesquels le ou la psychologue mentionne que ça a été fait avec le WISC 4, par exemple. Donc, quelle est un petit peu l'approche qu'on peut avoir, sachant que la législation est peut-être un petit peu différente et les textes réglementaires un peu différents entre la Belgique et la France, non ? Alors, c'est vrai que là, ça dépend un peu des professions. Par exemple, dans le domaine des tests, il y a beaucoup plus de contrôle dans le cas, par exemple, des orthophonistes en Belgique, tout simplement parce qu'il y a un remboursement des prestations des orthophonistes, ce qui n'est pas le cas des psychologues. Donc, il y a plus de laxisme. C'est-à-dire que là, je regrette quand même qu'il n'y ait pas non plus de critères officiels qui soient définis, qui permettent de dire jusqu'à un certain point, utiliser encore cet outil-là, parce que quand un test arrive, l'autre ne vient pas du jour au lendemain obsolète. Donc on peut avoir un temps de recouvrement, bon, évidemment qui ne doit pas être non plus trop long, ça devrait être défini. Ici en Belgique maintenant, c'est plutôt du côté flamand que ça se passe, là où ils sont plus réglementaires que nous, je crois qu'ils sont un peu plus germaniques que nous et ils sont plus stricts, mais je pense que là on devrait pouvoir avoir en tout cas des recommandations au minimum sur les tests qui devraient pouvoir être passés et pas passés. Voilà, ici le WISC 4 commence, il faut bien le reconnaître, à un peu à dater. Je crois que l'idéal ce serait évidemment de pouvoir passer au WISC 5. Mais est-ce que l'administration aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas arbitraire de recevoir des avis, refus des indications de votre compte-rendu, puisqu'il est basé sur une échelle qu'on estime ? Alors, est-ce que ce n'est justement pas arbitraire en tant qu'équipe ? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il faudrait un comité scientifique. Ici, en fait, je vois que dans les administrations, j'en ai fait partie aussi, ils ont mis en place un petit comité scientifique qui permet de discuter quels sont les tests, et ce n'est pas seulement pour l'intelligence, c'est pour l'ensemble des mesures, quelles sont les mesures qui sont acceptables ou pas acceptables.
Ça touche vraiment toutes les mesures. Voilà. Donc ça, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas, Robert, comment... Oui, c'est Vincent qui va reprendre là. Je vois une longue... Vous êtes beaucoup à poser des questions, donc on ne pourra probablement pas poser toutes les questions. Il y a notamment plusieurs questions sur ce qui serait le plus adapté pour réaliser une évaluation de l'intelligence lorsqu'il y a une déficience intellectuelle combinée à un fonctionnement autistique. Mais de manière générale, comment est-ce qu'on évalue les capacités intellectuelles dans le cadre de certains troubles du spectre de l'autisme? Exactement. Alors là, je dirais que ça dépend un peu au niveau du langage. Dans un certain nombre de cas, on peut avoir dans le spectre de l'autisme des niveaux de langage qui sont extrêmement faibles. Donc là, le SON-R, par exemple, est un instrument qui se prête bien, qui est bien adapté pour des sujets qui ont un niveau relativement faible et un niveau de langage faible. Dans d'autres cas, un WIPSI-4 peut convenir. Maintenant, un des problèmes que l'on a, ben je parle ici des enfants, mais un des problèmes que l'on a, c'est celui des adultes. Et je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de tests pour les adultes. Or, il y a dans un certain nombre de cas ben, des personnes qui sont autistes, qui ont un handicap intellectuel et pour lequel voilà, on se retrouve un peu en difficulté pour réaliser une évaluation. Mais pour les enfants, ben, je pense que là, on a quand même une gamme. Mais je le répète, ça dépendra, parce que ce sont des tests qui ont suffisamment d'items faciles, hein, je pense le WIPSI-4, le SON-R, même le WISC-5, tout dépend. Mais là, en jugeant l'opportunité de tenir compte ou pas des mesures du langage, parce que là, ça peut évidemment... l'anémie 3 aussi. Alors, je vois qu'effectivement, Georges, effectivement... je pense que l'anémie 3 aussi, voilà. À nouveau, ce que vous devez regarder, c'est vraiment ces deux dimensions-là. C'est la dimension langage et c'est la dimension ici sensibilité dans les niveaux plus faibles. Et certains tests manquent parfois d'items faciles. Alors, revenons à l'exposé, Jacques. Et il y avait des questions à propos de la pertinence d'évaluer l'intelligence. Ou en tout cas d'en rendre compte de son niveau de performance avec des enfants allophones, non francophones, à partir du moment où la dimension verbale est absente. Donc, est-ce qu'il y a, comment les psychologues peuvent-ils rendre compte compte tenu des éléments que tu as présentés? Alors, quand il s'agit uniquement d'une question de langage, on peut, dans un certain nombre de cas, trouver, bon, par exemple, dans notre équipe, on a des versions anglophones, voire germanophones ou néerlandophones des tests. Donc là, je dis, pour autant que vous maîtrisez un peu l'autre langue, il est possible de faire une évaluation comme celle-là. Donc, tant qu'on est, disons, dans une communauté, je veux dire, culturelle, ça pose moins de problèmes. C'est beaucoup plus compliqué quand vient se greffer au problème du langage un problème ici vraiment d'acculturation. Parce que la culture, ce n'est pas que le langage, je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses en termes de connaissances générales, même l'habileté à passer un test. Je cite souvent un exemple qui est déjà assez ancien, mais qui est assez parlant. C'était un anthropologue qui avait qui voulait tester les bochiments du Kalahari et qui utilisait un test. Or, dans la société des bochiments ou des bushman, la coopération est fondamentale. Et donc, les personnes à qui voulaient faire passer le test, ils ne comprenaient pas que le psychologue pose un problème et reste les bras à croiser à le regarder faire, puisque dans la logique, on voudrait qu'ils s'y mettent à deux pour résoudre le problème. Oui. Alors, bon, c'est un cas un peu extrême, mais il faut avoir conscience. On le voit, par exemple, même pour certaines personnes, même dans notre culture, des personnes âgées, par exemple, peuvent parfois vivre la passation d'un test comme quelque chose d'abêtissant, d'humiliant, etc. Donc, il peut y avoir aussi pas mal d'éléments qui vont complexifier la passation et dans certains cas, qui vont même rendre la passation non valide. Et ça, c'est ce que j'explique aussi dans le bouquin. J'explique combien
la première chose que l'on doit faire, c'est justement de voir dans quelle mesure notre passation est valide. Parce que dans certains cas, ça n'a pas de sens. Voilà, on va se baser sur autre chose, mais on ne pourra pas faire passer le test. Mais alors, qu'est-ce qu'écrit le psychologue ou la psychologue dans ce cas-là? C'est bien, oui, alors, la question, oui, très concrète derrière ce qui est posé, là. Alors là, à ce moment-là, je dirais que, en tout cas, mesurer, avoir un QI, dans certains cas, ça n'a... Oui, on pourrait toujours... Calculer un QI, c'est toujours possible, puisque un calcul, c'est toujours possible, puisque effectivement, je lui fais passer, le gars, il rate plein de trucs, et puis je vois, il a un QI, je ne sais pas moi, de 56, et j'écris 56. Et je sais bien que ça ne reflète pas son intelligence. Donc, si c'est ça qu'on me demande, moi, je suis aux abonnés absents, hein, je ne veux pas faire ça. Vous voyez, il y a une question d'éthique professionnelle. Et c'est ça le problème. Quand je parlais tout à l'heure des exigences administratives, parfois, on nous demande des informations que décemment, nous ne pouvons pas fournir en certifiant que cette information est valide, c'est-à-dire qu'elle mesure, elle représente bien ce qu'elle prétend mesurer. Dans certains cas, non, je ne peux pas. Je dois simplement dire, j'ai des informations qui me laissent penser que... Je pense ici, par exemple, un exemple que me donne, je trouve que c'est un bel exemple que me donnait un collègue qui est spécialisé, il est décédé aujourd'hui, mais qui était spécialisé en psychologie interculturelle. C'est un collègue hollandais qui s'appelait Fons van de Wever. Et Fons me disait, mais tu sais, on reçoit pas mal de familles turques en Hollande qui parfois arrivent là, et l'enfant ne maîtrise pas du tout la langue néerlandaise, je ne peux pas le tester en néerlandais. Par contre, son développement du langage, et j'ai des informations comme quoi le développement de son langage est très bon en turc, j'ai de bonnes raisons de penser que son niveau est suffisant, et en général, je constate qu'effectivement, son apprentissage du néerlandais sera excellent. Donc, voilà, on va voir qu'on est obligé parfois de bricoler en quelque sorte, mais ça, c'est la réalité, il ne faut pas, je ne peux pas, voilà. Je peux poser une dernière question, Vincent, je te donne la parole pour, dans la lignée des questions autour de la validité d'une évaluation de l'intelligence sur sa durée, avec certaines administrations qui demandent de revoir l'enfant ou l'adolescent 2 ans après. Oui, alors ça dépend. Alors, c'est clair que faire un retest dans un intervalle trop court n'a pas beaucoup de sens. Pour deux raisons. D'abord, si vous le faites trop court, on parle ici d'une année à peu près, il y a des effets d'apprentissage. On le sait tous très bien. Si je découvre l'épreuve des cubes, c'est une épreuve complètement nouvelle. Et en résolvant les problèmes de cubes, je développe, j'apprends des stratégies. Donc, il est clair que si maintenant on me redemande de faire l'épreuve rapidement, j'ai déjà appris quelque chose. Je ne suis plus vierge de connaissances des cubes. Donc, on va voir que là, il y a cet effet qui peut jouer. D'autre part, quel est le sens dans 2 ans, est-ce que les choses peuvent avoir à ce point bougé? On constate qu'habituellement, sauf dans les cas de pathologies lourdes, je pense ici à des personnes plus âgées, vous voyez, quand on a des personnes qui ont ici des déficits qui sont... une involution ici des capacités, on va voir que dans ce cas-là, évidemment, on peut se retrouver avec des sujets qui perdent énormément en 2 ans. Mais si j'ai affaire à des jeunes enfants, parfois, j'étais justement interpellé très récemment par une équipe qui devait remettre des rapports d'enfants pris en charge, et on leur redemandait de faire des tests, et en leur disant, il faut que leur QI évolue en 2 ans, même pas en 2 ans. Pour moi, ça, c'est pas raisonnable de demander ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, on entre ici dans des procédures administratives un petit peu bornées. Et c'est là qu'on rejoint la remarque que je faisais tout à l'heure. Je pense qu'au niveau des instances dirigeantes, il est important qu'il y ait, à mon avis, un comité scientifique avec des compétents, des cliniciens, des universitaires qui puissent un peu définir ce genre d'exigences. Parce qu'on se demande parfois qui. Par exemple, en Belgique, voilà, heureusement, maintenant, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Bon, par exemple, moi, j'ai été interpellé, j'ai fait partie de groupe. Mais jusqu'il y a 10 ans d'ici, ou non, un peu plus, 15 ans d'ici, c'était un médecin qui décidait. Alors, est-ce qu'effectivement, le médecin, il est plus compétent que,
que les psychologues pour savoir ce que mesurent vraiment les tests d'intelligence, si c'est pertinent de faire un testing à 2 ans, etc. Ça, c'est pas bien, ça. Si je peux dire un mot, Jacques, à ce sujet, effectivement, 2 ans, ça peut sembler proche, mais dans l'histoire un peu ancienne des orientations pour les enfants, il y avait aussi cette nécessité de revoir les dossiers, de réétudier le cas des enfants, et non pas qu'ils soient placés, par exemple, ici ou là, tu comprends, dans une institution ou dans une classe spécialisée, et qu'on laisse, parce que, évidemment, sur le plan statistique, les choses vont peu bouger. Mais pour certains, les choses peuvent peut-être un peu bouger. Alors, et ça peut être nécessaire de revoir pour pas que ce soit définitif. Alors là, je pense que tu as tout à fait raison. Mais tout dépend ce qu'on veut faire avec ça. C'est-à-dire de voir est-ce que l'orientation qui était proposée est pertinente ou pas, ou s'il s'agit simplement de vérifier, se dire, tiens, est-ce qu'il a son QI augmenté, est-ce que vous faites bien votre travail, oui, oui. Ce qui est plus discutable. Mais tu as raison. Je vais te dire, moi, j'ai eu un cas qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai pris la décision, on est entré dans des instances disciplinaires, enfin disciplinaires, des instances de recours, voilà, pour retirer cet enfant, qui était un enfant qui avait été erronément orienté vers un enseignement pour les personnes handicapées mentales, ça remontait déjà à de nombreuses années, et qu'il n'était pas du tout. Mais il se fait qu'il était dans une institution, une petite institution, où le nombre de classes était déterminé par le nombre, évidemment, d'élèves, et donc remettre en question la présence de cet élève mettait en péril un emploi. Donc, quelque part, il restait là, alors que ce n'était pas du tout justifié. Donc, ça, tu as raison de ce côté-là. Maintenant, ça suppose au départ, est-ce que les critères que l'on a pris, le diagnostic, voilà, ça soulève de questions plus complexes, évidemment. Voilà. Si je peux, il y a aussi beaucoup de questions par rapport à la WNV, qui commence à dater d'un point de vue étalonnage et qui n'est pas sans poser souci au niveau, par exemple, d'arrangement d'image. Enfin, là, je parle d'une pratique. Et donc, il y a eu beaucoup de questions autour de l'usage de la WNV. C'est vrai que... Avec, et on pourrait dire que le SON, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ce sont les deux tests qui ont... Pour moi, c'est les deux plus faibles de la série que j'ai analysée, à différents points de vue. Mais ce sont les deux seuls qui permettent une évaluation complètement non-verbale. Le problème, je vois bien que ça, on est un peu prisonnier des éditeurs de ce point de vue-là. Pas les éditeurs français, mais surtout l'éditeur américain, puisque en fait, les éditeurs français sont maintenant évidemment un petit peu pieds et poings liés, si je peux m'exprimer comme ça, aux éditeurs américains. En fait, on a fabriqué un peu la Wechsler non-verbale en bricolant un peu à partir de ce qui existait des autres épreuves, parce qu'il y avait une vraie demande du terrain, mais ils n'avaient pas du tout envie de faire un gros investissement là-dessus. Alors qu'il aurait fallu le faire. Mais toujours, c'est toujours le même problème, c'est qui va investir. Il faut se rendre compte quand même que développer un test et des normes, c'est très, très coûteux. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Et donc, alors les éditeurs se disent, bon, est-ce que je vais rentrer dans mes frais? Et donc, on est là. Alors, on pourrait effectivement imaginer que les associations développent des instruments qui soient plus... voilà. Mais c'est non, il y a des problèmes. J'en parle d'ailleurs de manière très libre dans mon ouvrage. J'essaie de dire il y a quand même un usage parce que voilà, il fallait que pour moi, je devais quand même mentionner deux tests qui n'exigent pas du tout de langage. Voilà. Donc, mais tu as raison. Donc voilà, j'espère que. Je vois qu'il y a des tas de tests qui sont cités. Je vois le culture test, le lecteur, les EDI. Oui, alors là, le problème, on se retrouve toujours avec des questions de normes qui sont parfois complètement obsolètes. Il faut se rendre compte, par exemple, que des tests comme le culture free test ou les matrices de Raven, c'est les tests, contrairement à ce qu'on peut penser, qui sont les plus sensibles à l'effet Flynn. Et de très loin. Mm-hmm. On a des données très robustes qui datent, par exemple, à l'époque où il y avait le service militaire en France, pendant une période, puisque à une fine époque où, quand on faisait son service militaire en France, on passait les matrices de Raven. Et pendant une période,
il y avait une augmentation par an d'un point de QI. D'un point de QI. Donc en 20 ans, la moyenne, elle avait sauté de 20 points. C'était énorme. Donc il faut être vraiment très, très vigilant et ne pas penser, par exemple, parce que c'est non-verbal, c'est moins sensible à des effets, par exemple, d'éducation, etc. Pas du tout. Pas du tout. Donc, au contraire, c'est les tests les plus marqués par cet effet Flynn. Voilà. Est-ce que, Jacques, avec les nouvelles technologies, on pourrait imaginer à terme, parce qu'il y a de nombreux pays, je vois une question sur la Tunisie, je connais le professeur, j'ai perdu son nom tout de suite, qui a adapté les EDI en Tunisie. Il y a de nombreux pays qui n'ont pas d'étalonnage, qui n'ont pas de test. Au Maroc, en Algérie, il y a la NIMI 2, mais il y a plein de pays comme ça qui n'ont pas de test adapté à leur culture. Est-ce qu'avec une nouvelle technologie, tu penses que dans un horizon, je ne sais pas, un peu plus long, il y aura des moyens de mettre en œuvre des outils qui seraient adaptables, qui seraient beaucoup plus facilement adaptables. Oui, parce qu'en réalité, regardez ici, le WISC 5, on peut le faire passer sur tablette. Mais il faut déjà deux tablettes. Oui, ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est super, moi j'ai l'argent pour acheter le test et les deux tablettes. Alors, a fortiori, si vous allez en Tunisie, au Maroc, dans les pays africains. Donc, ça, c'est un gros problème parce qu'il faut se rendre compte que le développement des tests informatisés est encore plus coûteux. C'est très coûteux tout ça parce qu'il faut vraiment. Donc, c'est pas simple. Je vois ici que certains disent le Later 3. Oui, le Later 3, mais le Later, il a pas, j'ai pas de normes en français. Donc vous partez de l'hypothèse que parce que c'est non-verbal, on peut prendre les normes américaines. Je peux vous dire que c'est pas du tout vrai. Vous n'avez aucune raison de penser que, a priori, que les normes américaines sont des bonnes normes. On voit par exemple, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il y a des stimuli. Je prends un bête exemple ici. Même les Wechsler, des images du Wechsler ont dû être parfois adaptées entre pays anglophones. Je prends ici c'est un peu caricatural, mais si vous utilisez en Amérique du Nord un castor, ça ne va pas représenter la même chose qu'un enfant australien où il n'y a pas de castor, et où ce sera plutôt un kangourou, par exemple, qui sera un animal plus familier. Mais beaucoup d'autres choses sont... un exemple que j'ai beaucoup donné, il a disparu maintenant depuis le WISC 5, mais il y avait dans une des épreuves, il y avait la fameuse borne incendie. Il y avait l'image d'une borne incendie. Dans la version américaine, il y avait une borne américaine, une bonne grosse borne rouge, vous voyez, la borne qu'on voit dans les films. Les Français ont dit, ces bornes incendie, elles ne sont pas comme ça en France. Et on a dessiné une borne française. Je peux vous dire qu'en Suisse et en Belgique, il n'y a aucun enfant qui savait que c'était une borne incendie. Et j'ai eu plein de fois des enfants qui me disaient « c'est une bouteille de ketchup mise sur son goulot ». Alors bon, oui, non, mais voilà, ça c'est la réalité. Donc pensez que parce que vous utilisez des images, elles sont universelles, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'éléments qui sont, par exemple, des histoires, raconter une histoire. On en parlait justement, Katia parlait de la Wechsler non-verbale, les images, les histoires qui sont racontées là, elles sont très marquées culturellement, je suis désolé. Ce n'est pas du tout des histoires universelles. Ou alors, si vous voulez de l'universel, vous ne faites que des formes géométriques. Mais alors vous allez dire, oui, mais alors les formes géométriques, c'est universel. Mais non. Tout le monde sait très bien qu'à l'école maternelle ou à l'école primaire, les enfants apprennent à reconnaître des formes, à faire des emboîtements, à décomposer des formes complexes, à faire des rotations. Ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est universel. Un enfant qui n'a pas été scolarisé ne sera pas égalité par rapport à un enfant qui a été scolarisé et qui a appris à analyser des formes géométriques. Ça, c'est certain. Et encore deux, trois petites questions à poser. Donc, je me permets... Il y a une question qui est posée par Saint-Justin qui nous dit que la majorité des neuropsychologues choisissent un ou l'autre de subtests. Ils ont l'air, si je comprends bien, ils piochent
des subtests dans la VICE ou dans la WISC pour aller les interpréter. Est-ce que c'est possible d'interpréter juste un subtest ou quelques subtests en dehors de l'ensemble de ce qu'ils représentent au sein d'un indice ou de... Non, moi, je ne recommande pas du tout cette pratique-là parce que les tests, ces épreuves-là n'ont pas été construites pour ça. Alors, j'ai dit tout à l'heure, elles représentent, bien sûr, elles sont censées représenter une des composantes du modèle CHC, mais je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des mesures pures. On va voir, d'ailleurs, elles sont interconnectées, intercorrélées les unes avec les autres. Ce qui me pose souvent problème, et ça, malheureusement, je vois avec un certain nombre de neuropsychologues, ils sont trop attachés à l'intitulé qui est donné à l'épreuve. Et ce n'est pas seulement pour les épreuves d'intelligence, mais ce n'est pas parce qu'évidemment il est écrit intelligence sur une boîte que ça mesure l'intelligence. En fait, il faut vraiment regarder, on en parlait tout à l'heure, c'était une bonne question que René Prix a évoquée tout à l'heure, c'est regarder les intercorrélations avec les autres épreuves. Vous vous rendez compte évidemment que beaucoup de choses de ce que vous mesurez sont des mesures complexes, avec une dominante, comme je l'ai dit, mais c'est pour ça que parfois, il y a un élément qui est marginal qui va jouer un plus grand rôle. Vous pouvez avoir une épreuve où il faut de mathématiques, mais il faut lire l'énoncé. L'élève peut échouer parce qu'il ne sait pas bien lire et pas du tout parce qu'il n'est pas bon en maths. Donc, à nouveau, c'est les raisons pour lesquelles on réussit ou on échoue une tâche sont parfois très différentes de ce qu'on croit. Et on peut avoir des stratégies très différentes. Vous voyez ? Prenons par exemple mémoire des images WISC 5, c'est censé être une mémoire non verbale, mais tout qu'il a fait passer, c'est que tous les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils recodent verbalement. Il dit le chapeau, l'horloge et le cube. Et puis après, ah oui, le chapeau, il a tout recodé verbalement. Ou encore, j'ai une petite fille qui a super bien réussi avec une stratégie que je n'avais jamais vue. Elle était au potentiel. Elle s'est dit, pour retenir plus facilement, plutôt que de donner des mots, de prendre des mots qui sont assez longs, je vais repérer la couleur dominante. Alors, elle disait orange, bleu, rouge. Voilà. Mais ça, si vous ne l'observez pas, vous ne pouvez pas dire. Donc, parfois, ce qui se passe n'est pas ce qui est prévu. Donc, nous, on voit le produit, mais entre les stimuli et le produit final, la réponse, il s'est passé des tas de choses qui nous sont souvent obscures. Oui. Ça répond en partie aussi ce que vous venez de dire à la question qui a été posée par certains sur l'existence de tests de groupe. On pourrait faire passer par exemple à toute une classe, parce que mine de rien, un test de QI, c'est beaucoup d'observations et de qualitatifs. Exactement. Et voilà, donc la pertinence d'un test de groupe. Non, je pense que je suis. Il fut une époque, c'était très populaire, les tests de groupe. Aline et Top, Katia connaît. Il fut une époque où il faisait énormément de tests, puisqu'on faisait des tests collectifs dans les écoles pour faire de l'orientation. Moi, j'ai connu quand j'étais enfant les psychologues qui arrivaient en classe, on recevait des carnets, on faisait des tas de tests, et puis on recevait à la fin une petite enveloppe à remettre avec nos parents avec les résultats des tests. Mais ça, on sait très bien que c'est plus comme ça qu'on doit concevoir l'évaluation. Je pense que l'évaluation, elle nécessite une observation fine et une interprétation des scores en tenant compte à la fois de ces observations et des autres scores. Voilà. Bon, on va peut-être devoir conclure. On va peut-être laisser la parole à Robert. On te remercie beaucoup, Katia. Je te laisse remercier Jacques aussi de cette prestation. Et puis, on serait très intéressé par ton ouvrage. Oui, apparemment, certains ont déjà obtenu. Ah bon, ah bon. Oui. Avant moi, alors. Il y avait une remarque, c'est ça. D'accord. Voilà, tu vas peut-être nous rappeler, Georges, l'enfant de... Je te laisse la parole là, pour puis, rappeler. Oui, mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec la présentation de Jacques Grégoire, c'est le panel de questions qui émane et qui montre bien qu'on est là encore dans de grandes interrogations qui touchent à l'éthique professionnelle, à ce qu'on écrit, aux règles et aux guidelines éventuellement européens, qu'on n'a pas forcément. Enfin, beaucoup de questions sont posées. Katia, il va falloir qu'on,
qu'on se lance quand même, qu'on reprenne cette question du compte-rendu importante, de l'écrit, du statut clinique, diagnostique, éthique, personnel, le QI appartient à qui, enfin, des questions comme ça qui sont extrêmement nombreuses. On va voir quand même pour essayer de répondre à la diversité de ces questions. Alors, ce panel, Jacques, on va pouvoir te l'envoyer parce que Vincent enregistre l'ensemble du verbatim. Et je pense que c'est vraiment une source de très instructive pour comprendre où on en est aujourd'hui dans la pratique de l'évaluation intellectuelle. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, quoi. Oui, si je pouvais ajouter beaucoup de questions et de remarques très pertinentes. Je noterai, moi, l'usage que les participants ont des observations fines. Franchement, les remarques, les questions sont vraiment pertinentes, je trouve, moi. Ce plan statistique... et une vraie amélioration des compétences de tous nos collègues sur ce plan-là, je trouve. Oui, en tout cas, merci effectivement pour les interventions. Je voudrais juste ici, dans la foulée de ce qu'a évoqué tout à l'heure Robert, rappeler que ce qui était sorti de la conférence de consensus sur l'examen de l'enfant et l'utilisation des scores reste tout à fait d'actualité, même si ça date de... C'est 2011, Robert ? 2010, on a publié 2010. Les recommandations. Oui. 2008-2010. Il y a beaucoup de remarques, voilà, on en a reparlé, qui restent tout à fait d'actualité. On va le remettre sur le site en même temps que le PDF de cette présentation, en même temps que le texte de recommandation que Katia nous a proposé, l'argumentaire pour les MDPH. Et puis peut-être d'autres, on va voir, mais qu'à partir de demain, donc, il y aura mis à disposition le replay de cette intervention et puis les PDF qui pourront compléter un certain nombre de réponses qui ont été déjà faites. Voilà, en tout cas, merci infiniment tout le monde, Georges, Katia, Vincent. Vincent qui s'occupe toujours de cette technique avec beaucoup d'habileté. Et puis, c'est toujours des rendez-vous extrêmement... extrêmement agréable, instructif, riche. Enfin, on a souvent des retours dans les formations et tout en nous disant « mais les webinaires, c'est extraordinaire ». Ben, celui de ce soir, il était encore extraordinaire. Merci, merci à Jacques. Merci à tous. Voilà. Et donc, à la prochaine, enfants demain, inscrivez-vous en visio ou en présentiel pour venir aller voir le programme. Il est absolument remarquable. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.